C'est un ministre compatissant, soucieux de l'état de santé des cas confirmés en Côte d'Ivoire, qui s'est rendu au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Cocody pour s'enquérir des nouvelles des malades et prendre le pouls de la situation. Nous avons à ce jour 15 guéris. Ces guéris la sortent d'ici. Donc nous sommes venus voir comment les choses se passent. Déjà, il y a eu 15 guéris sortis d'ici. Ça veut dire que le système est performant et nous souhaitons qu'il en ait de plus en plus et surtout avec l'amélioration en cours du service, hein, l'extension, la réhabilitation, un service de réanimation qui va être totalement dédié à le professeur Bois qui est en compagnie du professeur Serge Éoulier, hein, notre expert du comité de veille sanitaire. Je crois que l'espoir est permis. Une visite pour aussi apporter son soutien et être à l'écoute du personnel soignant qui, jusqu'ici, sont aux côtés des malades. Il y a certains patients qui sont en isolement avec un soutien psychosocial et traitement symptomatique. Et certains autres patients reçoivent le traitement spécifique qu'on a proposé dans les directives nationales. Présent à cette visite, le représentant résident de l'OMS note de bons points. Et après cette visite, nous voyons que c'est un centre qui répond aux normes. Donc de prise en charge donc, et de traitement des malades. Et cela est rassurant. Et nous avons vu des respirateurs, nous avons vu des lits qui sont aménagés, nous avons vu des patients avec des accès limités, comme recommandé, avec un système de prévention et de contrôle de l'infection qui est également en place. Donc cela rassure l'OMS et nous voulons encourager encore le pays, le gouvernement de la Côte d'Ivoire avec le ministre de la Santé à renforcer encore toutes les capacités de prise en charge des malades. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a encore une fois invité les populations à prendre conscience de la situation et à respecter les mesures de prévention.